Ha ha ha!
Está como Martina. Oui. Et même. Fait, fait. Elle me dit, oui, oui. Jamais c'est fait avec moi. Yeah.
hear that breathing. You didn't hear that ring? Thank you.
Thank you.
Yeah.
Clinton said it, he said. Merci, mon beau bleu. Pensez peut-être que ça te ferait un bon parti, mais non. Moi, encore plus que mon Narcisse. Il n'a pas dit mon Narcisse, il est mort un verre à la main. Aujourd'hui, c'est l'évêque qui l'ont en main. Je vais être assez bref. J'avais un grand discours, mais la chouette, Madame Cécile Chouette, elle m'a dit qu'il n'y a que 5 minutes. Donc, pour aller dans le vif du sujet, je vais vous dire le titre de ma conférence ce soir. Ça s'appelle « L'homme, ce mal nécessaire ». Ou si vous aimez mieux, « Ces maudits hommes ». Je vois encore qu'ils vont dire « Encore une féministe ». Eh bien non, je ne suis pas de ceux-là. Je ne veux pas être l'égal de l'homme. Je ne suis pas prêt à m'abaisser à son niveau. Je me contente de lui rester supérieur. Mon mari me disait souvent, la femme, c'est un animal désavantagé. Elle n'a ni cul ni tête. Moi, de vous dire que pour la tête, je préfère de beaucoup la mienne. Étant courtieux, lui, il n'avait rien qu'une. Jusqu'à longtemps, j'ai compris. Il dit qu'il m'a déjà traité de frigidaire pour la viande qu'il avait à mettre dedans. Lui. Bon, qu'il repose en paix. Maintenant, je sais au moins où il passe ses nuits. Puis après tout, pourquoi n'aimerait-on pas son mari? On aime bien celui des autres. D'ailleurs, mon Narcisse et moi avons été heureux pendant 25 ans. C'est là qu'on s'est rencontrés. À ceux qui me demandent mon opinion sur le mariage, je suis ni pour ni contre. Mais vous remarquez, ça prend des témoins, comme pour un accident. Par contre, le mariage permet de régler des problèmes à deux qu'on n'aurait pas si on avait resté seul. C'est aussi la première raison des divorces. Mesdames, vous savez pourquoi ils nous appellent leur tendre moitié? C'est parce qu'un homme marié, ce n'est qu'une moitié d'homme. Je ne saurais vous quitter sans vous donner quelques conseils. Il faut toujours pardonner à son mari. Rien de tel pour la faire enrager. Ne jamais contredire un homme. Il le fera bien lui-même. Lorsque votre mari vous dit, je me tue à te le dire, laissez-le mourir. S'il vous offre des fleurs, méfiez-vous. C'est vous empêcher de découvrir le poteau rose. N'oubliez jamais que les femmes intelligentes ne font pas de bonnes épouses.